Il y a 19 ans, le chef Vino Zucar quittait l'île Maurice pour suivre celle qui allait devenir sa femme. Installé en Italie, il dirige avec son épouse Antonella un restaurant familial qui compte une étoile au guide Michelin. Le chef mauricien était à Maurice au mois de mars pour lancer un produit dont il est fier, la bière Grand B. Et maintenant, je suis en visite à Maurice pour production de documentaires sur ma vie et aussi sur la vie mauricienne. Et en plus, en profitant de mes séjours ici pour publier ou divulguer aussi de mes produits, de notre produit de l'appui à Maurice. Par exemple, la bière Grand B qu'on a produit en Italie, on amène ici à Maurice pour faire connaître aussi notre produit. C'est un petit bière artisanal, c'est Unlimited Edition. Et c'est avec un goût, un rétro-goût de lemongrass. Et c'est bien frais et c'est un blanc, et surtout l'été, quand il fait très très chaud, comme maintenant. Vino Zucar veut faire découvrir les différentes facettes qui contribuent à la richesse de son île. Il a profité de la présence de la télévision nationale italienne pour en faire la promotion. Moi, je suis suivi par la télévision nationale italienne, c'est Rai 3. Est bien connu en Italie et il y a environ 40 millions de téléspectateurs en Italie, même aussi à l'extérieur dans le monde, parce qu'il y a aussi les Rai, RaiSat, Rai Sky et tout. L'île Maurice, c'est pas seulement pour une île touristique, mais il y a aussi une vie mauricienne. Il y a plein de choses, plein de végétation. La vie, c'est pas seulement la plage. Oui, c'est très joli, le soleil, il vient ici. Les touristes pour bronzer et tout, et pour prendre du soleil, mais la vie mauricienne c'est différent. Il faut connaître le vrai vie mauricien, comment on vit dans l'île. Je voyage beaucoup, Dubaï, Singapour, Nevada, en Amérique, en Asie et surtout. J'emmène avec moi l'appui, mais aussi la culture mauricienne. Vino Zucar dirige avec son épouse le restaurant Alfonello da Ricci en Italie. Il y apporte sa touche mauricienne, des saveurs épicées, mais surtout sa passion pour la cuisine. Oui, le restaurant, ça fait déjà 50 ans. C'est pas à moi directement, mais c'est à ma femme et ses parents. Et ça fait déjà 26 ans d'étoile Michelin. Et c'est un bon restaurant traditionnel, mais avec mon arrivée en Italie, j'ai mixé un peu la culture mauricienne aussi. La cuisine italienne traditionnelle dans le sud de l'Italie, c'est bien traditionnel. Hein? C'est la pâte fait maison, les sauces, il va cueillir le tomate dans le jardin, toutes les verdures, les otages. Je dis otages, c'est surtout italien, non? Les légumes surtout. Et moi, c'est ma façon, c'est introduire des épices, des saveurs aussi, les cuissons différents avec la cuisine italienne. Sa plus grande fierté, c'est de pouvoir réunir une fois l'an des chefs de différents pays pour mettre en avant la richesse culinaire et culturelle à travers A World in a Dish. Notre projet en Italie, il y a aussi le The World in a Dish. C'est un petit groupe d'associations de cultures multiculturelles qu'on essaie de garder toutes les années dans l'appui. Et il y a beaucoup de gens de Brésil, Espagne, Maurice, de l'Inde, du Japon, au Corée. On fait une soirée ethnique dans l'appui. Son rêve, c'est de pouvoir partager ses connaissances aux jeunes mauriciens désireux de lui emboîter le pas.